Salut, salut tout le monde. Alors voilà à nouveau une autre vidéo. On va essayer de la faire un peu plus sérieux, même si j'arrive pas à régler cette caméra. J'ai fait un truc une fois pour un réglage. J'ai déliré parce que je suis en mode super guerrier, comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Mais voilà, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de changer ça. Bon, ça fait le style. Voilà, ça fait London, ambiance Londres. Donc voilà, c'est la vidéo d'hier, c'était surtout pour vous présenter deux outils, City Mapper et Journée Planner, des outils essentiels pour venir à Londres. Maintenant, je vais vous montrer d'autres sites. C'est vachement important aussi, donc faut pas oublier. Donc un petit rappel un peu plus sérieux que pour hier. Voilà, pour venir à Londres, quand vous voulez planifier votre venue, surtout prenez ces sites-là, Journée Planner, City Mapper, Uber, National Express et TripAdvisor. Parce que ces cinq sites-là vont vous aider vachement pour venir. Alors, ce qui se passe ici, ce que j'aime bien avec Journée Planner, comme j'ai mis dans la vidéo hier, c'est que vous pouvez, voilà, utiliser votre emplacement actuel. Après, ça vous fait, par exemple, on avait dit Piccadilly ou Oxford Circus. Et voilà, quand vous êtes là-bas, vous pouvez, par exemple, donc on voulait aller voir la reine, Green Park, mais il n'y a pas que la reine. Allez, on va faire un truc différent. On va aller à Camden Town pour un peu de fun à Camden Town. Donc, hop, on y go. Ça nous cherche ça en direct. C'est ça qui est top avec Journée Planner. Ça nous dit en gros comment faire. Vous voyez, avec les métros et autres, ça nous dit s'il y a des problèmes dans la ligne. Donc voilà, c'est énorme. On peut cliquer sur les détails et là, ça vous dit exactement quel stop à l'heure exacte. Ça vous montre la carte aussi. Comment faire avec la carte. On peut zoomer pour voir à peu près. Voilà ce qui entre, comme ça si vous voulez faire une petite, un petit stop, un petit arrêt et vous arrêtez au British Museum par exemple avant d'aller à Camden, c'est possible aussi. Donc ouais, cette application est top. Donc voilà, ouais, ça vous dit aussi si vous pouvez y aller en bus. Des fois on veut juste prendre le bus et regarder autour. En vélo ou en marchant, ça c'est pour les super guerriers. Voilà, s'ils veulent marcher et bouger à Londres. Bon, il y a pas mal de. Vous pouvez le mettre en français aussi, hein, vous inquiétez pas, vous avez juste à sélectionner la langue. Tout en bas là, sélectionner une langue et là vous choisissez français. Voilà, c'est un site super sympa à utiliser sans modération quand vous venez. Donc voilà, je crois que même que ça vous dit. Ouais, y a d'autres choses encore, hein, les taxis et autres aussi, escalator, tout ça, voilà, c'est énorme, ça vous dit, voilà, c'est ça que vous cherchez, avec les accès par rapport aux ascenseurs et autres, c'est top, du top. Voilà, ça c'était Journée Planner, la première application, et j'ai découvert cette autre application, City Mapper, il y a quelques jours, et franchement, elle est top. Pourquoi elle est top? Parce que ça vous dit en direct les bus, l'arrivée des bus en direct, ça vous montre un plan aussi, ça vous dit par exemple s'il y a des personnes, vous êtes des personnes handicapées, ouais, ça vous envoie l'application, les détails sur le téléphone, vous voyez, hop, on va faire une petite simulation entre nous, là, vous n'avez pas besoin de le mettre sur votre téléphone, ça passe aussi sur votre téléphone. Ça offre aussi un meilleur tarif si vous faites zone 1 et 2, donc rien que le centre. Si vous avez l'application City Mapper et que vous achetez un pass, c'est top du top. Aujourd'hui, vous voyez, tout est rouge. Hein, aujourd'hui, et ça, c'est vrai. Il y a des fois où les transports à Londres, on est bloqué et quand on va bosser, c'est même pas la peine. C'est la totale. Donc, ouais, surveillez bien. Vous voyez, ça vous donne plus d'infos encore que. Sur Journée Planner, voilà, c'est vraiment top. Là, ça dit même pas que suspendu, ça vous dit sévère délai. Et là, c'est même pas la peine. À Londres, sévère délai, voilà, vu que la communication est vraiment pas géniale,
Donc, des fois, sur le site internet, tu vas avoir plus d'infos que dans les stations elles-mêmes. Donc, c'est vraiment important de garder ces applications-là dans votre téléphone. Voilà. Après, pourquoi je vous dis Uber? Parce que Uber, ils sont au top à Londres. Ils sont vachement rapides. Il y a beaucoup, beaucoup d'Uber. Donc, c'est ça qui est génial. Ils peuvent être en 5 minutes chrono. Voilà. Ce matin, j'ai eu un souci. 5 minutes chrono. Hop. Il y avait un Uber à la station de métro parce qu'il n'y a pas de train à la station de métro. Pas de métro, quoi. C'est vers Delhi, comme vous avez vu. Donc, voilà. En 5 minutes, j'avais le taxi avec moi. En plus, ils sont super sympas. Ils ont des notes entre 4,5 et 5 sur 5. Ils sont au top. J'utilise aussi ça l'autre soir. J'étais paumé. Il n'y avait pas de bus de nuit. J'ai vu un vélo à côté et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça m'a coûté £1. £1, franchement. Et du coup, je me suis rendu à une station de métro. Je vous montrerai la vidéo parce que j'ai filmé tellement j'étais content. C'est une autre manière de bouger à Londres. Voilà, le vélo, c'est vraiment top. Bon, et on va pas oublier National Express et TripAdvisor. Les deux bons plans. Voilà, National Express, c'est les bus et autres moyens pour bouger depuis les aéroports. Ça, je vais vous faire une vidéo. Bientôt pour vous expliquer comment faire depuis les aéroports pour venir à Londres et après vous rendre à destination. C'est voilà, mais je conseille le mettre dans cette vidéo. Après, je vous laisse fouiller un peu. Et TripAdvisor. TripAdvisor, pour ceux qui connaissent pas, c'est des conseils de tout le monde. Une notation, c'est noté. Hein. On voit que pour celui-ci-là, il y a hôtel, activité, restaurant, vol, location, vacances, voiture. On voit par exemple, vu que moi j'aime la bouffe, donc vous voyez, ça va vous conseiller voilà, les meilleurs restaurants selon les catégories. C'est top, ouais, surtout à Londres, hein, il y a énormément de restaurants. Donc vous pouvez classer tout ça par rapport au type de cuisine, par rapport aux avis. Il y a les prix, il y a différents critères, vous voyez, vous pouvez sélectionner végétarien, autre, petit-déj, quel quartier. C'est vraiment le top. En plus, Londres, c'est vachement grand, c'est multiculturel. Donc, vous allez pouvoir choisir, essayer un peu toutes les cuisines, toutes les cuisines. Il y a une carte avec voilà chaque resto, c'est énorme cette app. Franchement, ce site internet, c'est le site internet pour quand vous venez à Londres, parce que ça, c'est je vous parle des restos, mais après il y a plein de choses encore. Vous pouvez aller à rubrique activité, c'est génial ce site. Je vous dis ça parce que moi, à chaque fois que je vais dans un endroit en Angleterre, je regarde ça et je me déplace qu'avec ça, parce que je me dis, ben, tant qu'à y être, je fais confiance aux autres avis clients, aux autres avis des personnes comme moi, d'autres touristes qui sont venus déjà. Et du coup, voilà. Et je découvre aussi des restos à Londres. Hein. Il y a pas mal de restos à Londres voilà, je suis dans le nord de Londres, donc. Je connaissais pas, et grâce à ça, j'ai découvert des super restos à Londres, top du top. Voilà. Vous voyez, quand il y a des prix comme ça en euros, ça veut dire que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc, c'est du top du top. Voilà. Bah, écoutez, et puis, faut pas oublier Instagram aussi. Hein, ça peut, voilà, ça peut vous faire découvrir pas mal de bons plans. Instagram, YouTube. Voilà, donc je vous conseille tous ces sites internet là. J'espère que ça vous aura aidé par rapport à vous quand vous venez sur Londres. Et puis si vous avez d'autres apps à me conseiller, surtout voilà, faites signe, parce que
C'est vraiment quelque chose que j'aimerais voilà, j'aimerais regarder, j'aimerais voir, partager. Donc si vous avez d'autres bons plans pour Raph le super guerrier, ouais, il faut que je règle cette caméra. Si vous avez le bon plan, d'autres bons plans à me dire, d'autres applications, surtout partagez. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce. Ça serait bien. Voilà, j'arrive même pas à le mettre. Ouais, voilà. Le petit pouce qui donne de, voilà, de la motivation. Et puis, surtout, follow, cliquez si vous voulez pour me suivre pour mes futures vidéos. Et j'espère que d'ici là, tout le monde ira bien et que vous profitez bien de l'été. À bientôt. Tchuss!